Voilà, donc je pars de mon rendez-vous à 7h33. J'ai 1h30 de route, donc ça veut dire que je vais arriver à 21h. Je vais pas mettre la musique pour l'instant, parce que ça me casse les oreilles. Mais disons que c'est fort. C'est pas que ça me casse les oreilles. Oh, quoi que je peux mettre. Tournez à droite sur route de Calauzen. Et non, ça me permet de discuter avec vous un petit peu. Dans 2,8 km, tournez à droite sur D123. Sur la route que je vais emprunter. Ah là, il fait 5 degrés. Wouhou, ça caille. Je pense que dimanche, lors de ma sortie, les pneus sont pas encore assez chauds. On va les chauffer un petit peu. Donc là, j'étais à Karlsruhen, ou j'en sais rien. Je sais plus comment ça s'appelle, le patelin. Le soleil se couche dans, allez, une demi-heure. J'aimerais bien atteindre la nationale pour être tranquille. Oh, vache, le trou sur la route. Ouh, oh la vache. Une route de merde. Je crois que c'est une prison ici. La première fois que j'étais venu, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette route-là? Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'essaye de tourner ma tête pour que vous voyez. Mais c'est pas facile de tourner la tête. Hein. Ah si, c'est une prison, oui. Parce qu'il y a les flics. C'est pas le moment de faire voler son drone ici. Hein. Dans 300 mètres, tournez à droite sur D123. Alors, à droite. Sans problème, mon petit. Je tourne à droite. Tournez à droite sur D123. Alors, est-ce que je prends la nationale pour rentrer à la maison? Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue de la Fontaine. Ah, oh, qu'il est con! Dis Siri, appelle Lolo Mobile! Ah, je te jure, hein, on peut même pas configurer. Bon, bah. Je vais essayer de l'appeler. Il va téléphoner à qui le con là? Dis Siri! Dis Siri! Dis Siri! Dis Siri! Ah, bah, je suis à la campagne, forcément. Capte rien du tout. Il est con le truc là, je te le jure. Bon bah c'est tout hein. Bon bah je ne téléphonerai pas. Faut pas que je confonde ma gauche et ma droite, Pierre. Dans 6,8 km, continuez sur D39B. D39B. Ok, c'est parti mon pote. Alors j'espère que j'aurai une belle visualisation de mon petit parcours. C'est sûr que ça aurait été agréable d'être à plusieurs, mais ça c'est pour un rendez-vous que je suis allé. De toute façon, j'aurais pris la nationale, ça aurait été des lignes droites. Moi, les routes comme ça me va. Hein. Faut juste rester concentré pour pas voir surgir. Tiens, par exemple, comme le panneau là, sur 7 km, voir surgir un animal, quoi. Parce que là, s'il y a un animal qui surgit, ah, je suis mal là. Ah, la route, elle est pas bonne du tout. Il y a quand même des malformations sur la route. Et puis traverser la forêt, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Parce que déjà, il n'y a pas grand monde. Et en plus, si je tombe en panne, bah, je sais pas si j'ai du réseau. Hein, tout peut arriver, hein, une crevaison. Ah, une voiture. On va suivre la voiture. C'est les gants qui me gênent. J'ai pas de gants d'hiver, j'ai pas de gants chauffants. Faudrait peut-être que je prenne des gants chauffants. Parce que là, même avec mon coupe-vent, même avec la musique. Intercom. Ah, je te jure. Je vais te descendre, te péter la gueule. Faut plus bloquer, mais ça. Tournez à gauche sur rue de la première division des grenadiers polonais. Nouveau calcul en cours. Revenez au trajet si possible. N'importe quoi toi. Sur le chemin.
Au rond-point, prenez la troisième sortie sur route de Château-Salin. Enjoy me.